Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo de décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui nous allons décrypter ensemble l'actualité sur le Bitcoin. Comme vous avez sûrement remarqué, le Bitcoin est revenu à presque 40 000 dollars hier nuit. Donc actuellement nous sommes en train de naviguer entre 37 000 et 40 000 dollars. Donc est-ce que cela est un signe du réveil du marché? Est-ce que ça veut dire que le marché est en train de reprendre? Parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi remarqué que, bon, depuis hier, pas simplement aujourd'hui, mais depuis hier, nous avons remarqué que le marché est vert. Donc, est-ce que cela est un signal de reprise? Est-ce que ça montre que le marché des crypto-monnaies est en train de reprendre? Parce que ça fait quand même plus de deux, je crois. Ça fait 2 à 3 jours que le marché est presque vert. Et ça fait presque 4 à 5 jours que le Bitcoin est en train de grimper. Donc, est-ce que cela est un signe? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et quotidiennement, nous faisons des vidéos de décryptage de crypto-monnaie, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaine vidéo. Donc les amis, en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme vous avez sûrement remarqué dans les graphes, le Bitcoin a atteint presque 40 000 dollars. Le Bitcoin a effleuré les 40 000 dollars et ça faisait longtemps. Ça faisait vraiment longtemps qu'on attendait cela. Ça faisait longtemps que le Bitcoin n'avait pas atteint un prix pareil. Depuis que la crypto-monnaie avait entamé sa chute monstrueuse, on n'a pas vu le prix atteindre encore les 40 000 dollars. Donc depuis presque une semaine, comme j'ai dit à l'introduction, on voit que la courbe du Bitcoin est en train de reprendre. On a même vu des hausses de plus de 8% en un jour. Donc là, on aimerait savoir qu'est-ce qui est réellement à l'origine de cela. Et on voit aussi que ça a entraîné, bon, on ne sait pas si c'est réellement ça qui a entraîné la hausse générale du marché, mais presque tout le marché est également au vert. Donc presque toutes les différentes crypto-monnaies intéressantes sont au vert. On a vu le Dogecoin est au vert, l'Ethereum est au vert. Donc presque la majeure partie des crypto-monnaies sont au vert. Donc c'est à se demander si le marché des crypto-monnaies est en train de reprendre. Donc on est en train de se poser des questions. Et surtout, qu'est-ce qui a causé cela? On aimerait savoir qu'est-ce qui a causé la reprise du marché maintenant. Parce que c'est toujours bien de savoir qu'est-ce qui a causé la dégringolade. Maintenant, quand on sait ce qui a causé la dégringolade, lorsqu'on voit que le marché reprend, on veut aussi savoir ce qui a causé la reprise du marché. Mais il est encore tôt. Il est encore très tôt pour dire si c'est une reprise générale du marché ou bien si c'est juste un pump ou bien un dump qui a fait une entreprise tierce ou bien Elon Musk ou n'importe qui. Donc on ne connaît pas encore. Et c'est très très tôt pour dire cela, c'est très tôt. Donc il faudrait attendre au moins 2 semaines pour pouvoir dire si ok, c'était en fait la relance du marché ou pas. Donc on ne sait pas actuellement. Le marché de façon générale suit une tendance haussière depuis presque 2-3 jours. Le Bitcoin c'est depuis presque, comme j'ai dit, une semaine. Et comme on a coutume de dire que c'est le Bitcoin la mère des crypto-monnaies, que lorsqu'elle avance, tout le monde avance. Lorsqu'elle recule, tout le monde recule. Bon, on pourrait donc se dire que ok, c'est la relance du Bitcoin qui a aussi relancé le marché général. Mais on a quand même quelques informations. On a quelques informations intéressantes. Il y a Amazon qui a lancé un appel d'offres. Donc Amazon a demandé un expert, bon, un peu comme un expert du domaine des crypto-monnaies. On se doute que Amazon veut implémenter le paiement par Bitcoin, mais le paiement par les crypto-monnaies. Donc ça, ce n'est pas sûr. C'est juste une déduction vu l'appel d'offres qui a été lancé par Amazon. Donc si vous êtes par exemple une entreprise de vente en ligne et que vous lancez un recrutement d'un expert en crypto-monnaie et tout, bon, ça veut peut-être dire que vous voulez vous intéresser au secteur. Ça veut peut-être dire que vous voulez aussi autoriser les achats avec les crypto-monnaies. Donc c'est depuis quelques temps que l'offre d'emploi a été lancée, donc on attend. Peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, on verra Amazon accepter le Bitcoin sur sa plateforme ou bien n'importe quelle crypto-monnaie. Parce que c'est vrai quand même que si Amazon accepte une crypto-monnaie, ils voudront bien créer également la leur. Ils voudront bien créer leur propre crypto. Donc, quel qu'en soit lambda, si Amazon accepte déjà le paiement par crypto-monnaie, c'est énorme. Donc, même si c'est n'importe quelle crypto-monnaie, même si c'est leur crypto-monnaie ou bien, je ne sais pas, le Shiba Inu par exemple, qui est la crypto-monnaie de paiement sur Amazon, ce serait un énorme coup de pouce pour les crypto-monnaies. Ce serait vraiment un énorme coup de pouce.
ça boosterait en fait la visibilité. Vous imaginez un peu le nombre de personnes qui achètent ou bien vendent leurs produits sur Amazon. Et si maintenant ils le font avec des crypto-monnaies, c'est énorme, c'est énorme. Ça veut ainsi dire que beaucoup de personnes seront plus imprégnées avec l'écosystème des crypto-monnaies, avec en fait le monde des crypto-monnaies. Même la vieille maman qui ne connaît pas les crypto-monnaies maintenant va connaître c'est quoi les crypto-monnaies, parce que c'est avec ça qu'on va effectuer des achats. Bon, c'est avec ça qu'on pourra également effectuer des achats sur des plateformes comme Amazon. Bon, là, c'est juste une supposition par rapport à l'offre d'emploi qui a été envoyée. Donc, c'est pas encore une certitude. Mais là, c'est pas aussi impossible, parce que l'un des objectifs des crypto-monnaies, c'était ça. C'était de pouvoir effectuer des paiements en ligne avec des crypto-monnaies. Donc, pour toutes les différentes transactions qui étaient en ligne, on devait le faire. Bon, on doit les faire avec les crypto-monnaies. Ça, c'est un objectif des crypto-monnaies à long terme. Bon, peut-être qu'à très, très long terme. Donc, si Amazon veut déjà recruter un expert en crypto-monnaie pour implémenter une solution de paiement avec les crypto-monnaies, ce serait l'idéal. Maintenant, comme je vous avais annoncé aussi que les instances, que les gros investisseurs s'étaient retournés sur le marché, s'étaient retournés en fait vers les marchés traditionnels, on a noté qu'il y a certains hedge funds, il y a certains gros investisseurs, donc appelons cela les gros investisseurs, qui sont en train de se retourner encore sur le marché des crypto-monnaies. Donc, sûrement le prix a chuté tellement qu'ils voulaient acheter quoi. Comme on a dit, c'est le moment des soldes. Sûrement le prix a atteint le prix d'entrée. Parce que, comme je vous ai dit, les investisseurs fonctionnent avec des objectifs. Il y a des pics, il y a des points d'entrée, il y a des points de sortie. Lorsque, par exemple, le prix atteint leur point de sortie à eux, ils sortent du marché. Lorsque le prix atteint leur point d'entrée, ils entrent sur le marché. Vous allez aussi remarquer qu'il y a par exemple des prix que lorsque le Bitcoin atteint, ça peut être par exemple 25 000 dollars. Lorsque le prix atteint 25 000 dollars, après il y a toujours une hausse qui suit. Il y a toujours une hausse qui suit. Ou bien lorsque le prix atteint les 35 000 ou bien 40 000 dollars, il y a une cassure, donc il y a une chute du marché. Ça veut simplement dire que ça, c'est un point où il y a beaucoup d'entrées ou bien c'est un point où il y a beaucoup de sorties. Donc, par exemple, les gros investisseurs ont mis un investissement peut-être à 30 et lorsque le prix atteint 35 ou bien 40, ils sortent du marché. Donc là, il y a une cassure. Beaucoup d'investisseurs sortent du marché. Donc, c'est un peu ça. Malheureusement, c'est un peu comme ça que fonctionne le marché des gros investisseurs, surtout les gros investisseurs. Ils n'ont rien à faire que la crypto-monnaie soit un projet innovant et tout, ils n'ont rien à faire. Tant qu'ils ont la possibilité de pouvoir effectuer des marges de bénéfices, c'est gagnant-gagnant pour eux. Donc, s'ils ont la possibilité d'effectuer des marges de bénéfices, c'est tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin que la crypto-monnaie soit le Bitcoin, soit une crypto-monnaie qui va venir faire ceci, faire cela. Ça ne leur intéresse pas. Donc, lorsque le prix du Bitcoin, bien le marché des crypto-monnaies, de façon générale, se casse la figure comme ils veulent, maintenant ils viennent là, ils injectent, ils ramassent les soldes et attendent que le marché fasse encore du x50, x100 et ramassent les bénéfices. Il faut aussi voir la période et aussi calculer bien les périodes, parce qu'on a remarqué que généralement, il y a des investisseurs qui fonctionnent avec des périodes. Comme généralement en entreprise, on fonctionne en termes de trimestre ou bien semestre. Donc, ils veulent par exemple avoir un semestre vert, donc semestre rentable. Ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils investissent peut-être 2 mois, bien 3 mois ou 4 mois à l'avance. Ils vendent par exemple à la fin du semestre pour présenter un bilan positif auprès des investisseurs. Donc, ça, c'est aussi une stratégie bien appliquée. Il faut souvent regarder les dates, jouer beaucoup avec les dates dans l'investissement. Donc là, ce sont des petits pitches que j'apprends à ceux qui suivent mes formations, dans ceux qui suivent les formations que je fais sur les crypto-monnaies. Donc, il y a beaucoup de petits éléments ici que vous devez maîtriser, parce que même les investissements, on n'investit pas du jour au lendemain, on investit de façon planifiée, même sur l'année. Ce n'est pas qu'on se lève lundi, on investit, bien mardi, on investit. Ce sont les petits investisseurs et non avisés qui investissent lorsqu'ils se réveillent, ils voient, ok, le marché est un peu rouge ou bien c'est vert, ils investissent sans trop réfléchir. Donc, pour investir correctement, il y a beaucoup de choses que vous devez savoir, et cela je partage généralement avec ceux qui suivent mes formations. Donc, si vous voulez avoir des informations concernant les formations, écrivez dans le groupe Telegram ou bien contactez-moi en privé sur Instagram. Donc, les amis, vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations assez intéressantes. Le marché est en train d'essayer de reprendre. Le marché est en train d'essayer de reprendre. J'espère vraiment que les investisseurs sont en train de se retourner encore sur le marché des crypto-monnaies. Mais nous attendons à avoir des informations un peu plus complètes pour décider si c'est vraiment
une relance du marché ou bien c'est juste un autre pump et un autre dump qui est effectué sur le marché. Parce qu'il faut savoir également qu'il y a des investisseurs qui sont souvent bizarres. Il y a des investisseurs qui ont des stratégies d'investissement vraiment bizarres. Donc ils viennent là sur le marché. Ça peut arriver qu'ils ont besoin de 500 000 euros ou bien d'un million ou bien de 10 millions en un jour. Donc ils viennent là et choisissent une crypto-monnaie assez volatile. Ils investissent dessus. Ça fait du 90% ou bien 70% en un jour. Et bon, ils récupèrent leurs différents bénéfices, quoi. Donc il faut faire vraiment attention. Faites beaucoup attention à ce moment. Et si vous étiez déjà en train de vous décourager, ceci devrait vous donner encore de l'espoir. Parce que comme je vous ai dit, comme je vous dis toujours, les crypto-monnaies ne peuvent pas facilement mourir. Les crypto-monnaies, il y a beaucoup d'espoir derrière cette technologie. Il y a beaucoup d'espoir derrière la technologie de la blockchain. Les crypto-monnaies de façon générale, il y a toujours des chutes et parfois des chutes libres sans fautement. Mais il y a toujours des reprises. Il y a toujours eu des reprises. Le marché des crypto-monnaies évolue au fur et à mesure. Il y a toujours eu des chutes libres et il y a toujours eu des croissances. Donc, ne partez pas, par exemple, prendre votre investissement, vous mettez sur le Bitcoin et lorsque le prix chute, vous vous effrayez et vous vendez pour perdre. Non, ne vendez pas pour perdre. Le marché va se relever. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, les amis, pour qu'on agrandisse la communauté. Et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc, les amis, on se reprend simplement très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.